Salut tout le monde, bienvenue à SDC. Moi je m'appelle Sam et on va faire une petite revue pour le Core Archery Takedown. Donc c'est un arc en bois qui est très bien construit mais pas aussi bien que d'autres. C'est un arc qui est vraiment pas cher mais qui a une très bonne qualité. Donc dans le kit qui est sous 200$, il y a le protège-doigt, l'outil pour mettre la corde sur l'arc, le protège-bras, un carquois, un sac et des flèches. Donc le sac a toutes les poches qu'il vous faut pour mettre l'arc, les outils, les flèches, etc. dedans. Les flèches elles-mêmes sont faites de carbone, donc elles sont très légères et elles ont des plumes en plastique, donc elles vont durer très longtemps. L'arc lui-même est très léger, confortable, mais par contre la poignée est un petit peu large. Donc si vous avez des grandes mains, ça va être super. Si vous avez des petites mains, c'est peut-être pas l'arc pour vous. Les branches sont remplaçables. Donc vous pouvez prendre des branches entre 16 et 40 livres de puissance. À part ça, la taille est aussi ajustable. Donc si vous prenez des branches longues, une poignée plus longue ou plus courte, vous pouvez avoir un arc qui va de 62 à 68 pouces. C'est quand même bien. On va tirer quelques flèches et après je vais faire des impressions pour les et après je vais faire une impression finale sur le kit. Merci. Alors après 2-3 flèches, je réalise que la poignée, même si elle est large, elle est quand même très confortable. Le seul problème, c'est la finition. Il y a quelques trous qu'on peut voir entre l'insert ou le stabiliseur. Donc ce n'est pas aussi bien construit qu'un arc plus cher. Mais par contre, pour le prix, c'est un arc absolument fantastique. Et voilà, c'est à peu près ça. C'est un très bon arc de débutant. Si vous voulez juste essayer le tir à l'arc, commencez avec votre équipement à vous. C'est probablement le kit qu'il faut prendre.